Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés, toutes les belles énergies. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Aujourd'hui, on me demande de vous transmettre des messages d'amour, de l'univers, du Tout-Puissant. Donc on va regarder un petit peu ce que je peux vous transmettre. Alors, on vous dit, mon père vous donne le vrai pain du ciel. Premier message d'amour. Le deuxième, priez en tout temps. Donc là, c'est le moment de prier. Il faut prier tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, il faut prier en tout temps, même quand ça va bien et quand ça va pas bien. Faut envoyer beaucoup d'énergie d'amour, beaucoup d'énergie de guérison. Alors beaucoup d'énergie d'amour déjà dans les cieux pour qu'on vous le redonne aussi. Beaucoup d'énergie aussi de guérison, beaucoup d'énergie positive. On me dit aussi, voilà, il faut prier déjà en tout temps pour vous. Pour vos proches, pour votre famille, qu'elle soit ici, à l'étranger, au bout du monde. Priez, 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 priez pour vos enfants. Priez aussi, voilà, pour le monde hospitalier aussi, tout ce qui est pour les aides-soignantes, pour les médecins, pour les infirmières, les infirmiers. J'espère que j'oublie toute personne. Bon, tout le monde, voilà, il faut prier pour tout le monde. Aussi, voilà, il faut prier, prier, prier vraiment pour tout le monde. Priez pour vos voisins, priez pour tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce que l'univers vous demande. Il faut prier, il faut réunir toutes nos prières. Voilà, parce que quand on est, on va dire, le nez dedans pour les aides-soignantes et tout ça. Elles sont pas là pour. Enfin, elles n'ont pas le temps forcément de prier. Elles sont très très fatiguées. Enfin, aides-soignantes, infirmières, voilà, tout le corps médical. Ils sont très très épuisés. Donc, c'est à vous d'émettre des énergies de guérison. C'est à vous de prier. Surtout que voilà, on est confinés chez nous pour la plupart. Donc, on a le temps. On a le temps de le faire. Pour ma part, je le fais tous les jours. Donc, il faut continuer, 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 s'unir tous. On ne fait qu'un avec le Tout-Puissant, donc il faut tous s'unir dans les prières. Et il faut prier en tout temps, quand c'est très dur et quand c'est très très bien aussi. Il faut prier en tout temps, il faut s'unir dans tout ça. Il faut y mettre de la force, il faut y mettre de l'amour, il faut y mettre de l'intensité. Voilà. Donc priez pour vos voisins, priez, voilà, priez aussi. Si vous connaissez des personnes, même les personnes que vous ne connaissez pas, vous pouvez faire une prière générale pour toutes les personnes, voilà, qui sont actuellement, mais pour la Terre entière aussi. Moi, je m'arrête pas qu'à la France. Voilà, je fais pour le monde entier. Donc priez, 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 priez. Priez, priez en tout temps, vraiment. Voilà, on vous dit de vous aimer les uns et les autres comme je vous ai aimé. Donc on vous dit que Dieu vous aime et vous a aimé et vous devez vous aimer les uns et les autres et surtout prier en tout temps. Donc aimez-vous les uns et les autres, priez, priez, aimez-vous, prenez des nouvelles de vos proches, des personnes qui vous sont étrangères. Voilà, priez, priez pour ces personnes, aimez-les aussi, aimez les personnes, voilà, qui vous sont très très chères, mais aussi les personnes, apportez de l'amour aux personnes qui vous sont étrangères. Enfin voilà, ça peut être, on peut, voilà, vous pouvez avoir un voisin, vous êtes, voilà, vous dites bonjour, au revoir, mais vous pouvez prier aussi, prier pour ces personnes-là. Et mettez des choses toutes simples. Moi, je sais que voilà, je connais des personnes du corps médical qui sont pas très très loin de chez moi. Et c'est vrai que des fois, je croise ces personnes. Donc voilà, juste un sourire, juste un signe de la main, c'est déjà énorme et c'est très très réconfortant. Et il faut savoir que travailleurs de lumière, donc je sais qu'il y en a énormément, ça peut s'adresser aussi aux âmes éternelles
de faire, juste d'émettre même un signe à du personnel soignant ou autre, ça leur apportera beaucoup d'énergie positive et des énergies de guérison, des énergies d'amour, de guérison, d'amour, et des énergies, voilà, de très très bonnes énergies. Donc voilà, faites avec le strict minimum. Vous pouvez faire énormément de choses avec le strict minimum parce qu'on est confiné, parce que voilà. Mais déjà, si vous priez, c'est déjà énorme. Dites à toutes les personnes que vous les aimez du plus profond de votre cœur, voilà, que ce soit des amis, des proches, des membres de votre famille, voilà, des collègues, des anciens amis que ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de leurs nouvelles. Allez-y, allez-y, impulsez des énergies d'amour, c'est ce que l'univers vous demande. Allez-y, impulsez ces choses, impulsez ce qu'on vous demande, c'est ce qu'il faut impulser. Ouais, prenez des nouvelles, voilà, de moi je sais que j'ai beaucoup de personnes dans le corps médical, donc je prends des nouvelles, on se prend tous des nouvelles, tous les jours il y a un petit message, tous les jours il y a un petit coucou. Même si des fois voilà, on parle pas forcément énormément beaucoup, c'est juste voilà, c'est un petit cœur, c'est un bon courage, c'est un prends soin de toi. Voilà, donc faut y mettre toutes ces énergies et prier, et prier, et prier, et prier. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Voilà, et la paix sera avec vous. Et en dos de deck, on a venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Voilà, donc n'hésitez pas à venir au Tout-Puissant aussi par la prière, juste aussi personnellement pour vous. Pour une protection de votre santé par les prières, des énergies de guérison, des très voilà, de prenez toutes ces énergies en fait du Tout-Puissant par les prières. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc voilà, tout ce que vous allez demander avec foi par les prières, vous le recevrez et faites-le au maximum. Plus on est à prier, plus voilà. J'ai vu aussi quelque chose qui m'a vraiment touchée et je trouve ça vraiment merveilleux. J'ai vu dans un hôpital, donc c'est pas en France, je pense que je sais pas, peut-être en Italie ou en Espagne, je sais plus. J'ai vu cette publication et en fait bah ce sont tous les corps médicaux en fait qui se mettent dans une pièce et qui font des prières juste avant de commencer leur service pour demander une protection à Dieu, pour demander des miracles de guérison, pour demander plein de choses en fait, parce que voilà, même le corps médical, même voilà, tous les corps médicaux, les populations aussi savent très bien que voilà, c'est on peut s'en remettre à l'heure qu'il est, on peut s'en remettre que dans les mains de Dieu et pas qu'à l'heure qu'on est, hein, c'est tous les jours, c'est tous les jours qu'on doit s'en remettre à Dieu pour toute chose, pour tout domaine, pour tout. Et voilà, et je sais que il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de miracles qui sont en train d'arriver. Alors voilà, c'est pas forcément. On peut aussi par les prières. Faire en sorte que voilà que la propagation en fait Dieu fera voilà plus on priera plus on demandera voilà une propagation qui soit moins que voilà la propagation s'arrête totalement plus on émet ces énergies tous ensemble par les prières avec la foi par la foi on le recevra tous donc il faut s'y mettre tous ensemble on est en pleine transformation.
Le monde entier est en train de, pour la plupart, est en train de se réveiller, mais aussi de s'éveiller. Et voilà, et plus on continuera, et plus ça apportera énormément pour le monde entier, voilà, pour nous tous, pour le monde entier aussi. Il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Voilà, tout ce que je devais vous dire. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour toutes les belles énergies que vous m'avez envoyées. Merci, merci, merci. Je prierai très très fort pour vous tous, pour vos familles, pour vos enfants, pour tous les corps médicaux aussi, pour le monde entier, pour la nature aussi, voilà, pour tout le monde. Je prierai très très fort. J'émettrai des énergies guérissantes, des miracles aussi, des miracles pour les populations. Et plus on se relie tous à ça, plus les belles choses vont arriver. Et voilà, il faut pas, faut avoir foi. Toujours, toujours, toujours. On n'est pas seul, on est très très entouré, très très accompagné. Le Tout-Puissant est là, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les médecins du ciel aussi. Et voilà, ils sont là pour nous tous. Donc merci, merci, merci aussi à eux pour tout le travail que voilà, des fois vous voyez pas forcément. Ils sont en train de travailler très très dur dans les cieux et sur terre aussi. Hein. On travaille énormément. Donc merci, merci, merci. Je vous envoie plein d'énergie de guérison, plein d'énergie positive, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous envoie des millions de bisous aussi. Et gardez la foi, le Tout-Puissant est là. Et il veille sur nous tous, vos anges gardiens aussi. Ils sont tous présents, ils sont tous là. Voilà, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. À bientôt!